Bonjour, je vous présente aujourd'hui une salve de nouvelles analyses techniques, notamment sur Nicox et de Celiad. Et avant de commencer, j'en profite pour vous inviter au webinaire spécial de ce soir que j'animerai à 21h, de 21h à 22h. Un webinaire très important pour ceux qui veulent mettre un pied dans le monde du, du trading et de l'analyse technique euh, active. Hein. Il s'agit d'un webinaire complètement gratuit. Euh, ça consiste à étudier les points pivots que tous les analyses techniques et tous les traders doivent utiliser. Pour s'inscrire, c'est très simple. Hein. Vous êtes sur le site ici, vous, vous cliquez là et euh, vous arriverez euh, directement sur la page d'inscription. Et encore une fois, euh, n'hésitez pas, c'est complètement gratuit. On va commencer l'analyse technique tout de suite. Alors on va commencer par l'analyse technique de Nicox. Euh, je vous rappelle pour débuter que ce n'est qu'une analyse proprement technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Il faut maîtriser les fondamentaux d'une action avant de décider d'acheter ou de, de vendre. L'analyse technique n'est là qu'une fois que vous avez considéré euh, les fondamentaux, les nouvelles sur la valeur pour optimiser les points d'entrée et les points de sortie. Alors on va commencer par une analyse de, de la tendance en cours. Alors attention, si vous débutez l'analyse technique, n'ayez hein, pas peur, ne vous laissez pas impressionner. Il ne s'agit que de chandeliers. Chacun des bâtons que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation. Cela indique les plus hauts, les plus bas, le niveau d'ouverture, le niveau de clôture. Et on a coutume d'utiliser la moyenne mobile à 30 semaines comme un indicateur très simple de suivi de tendance. C'est simple, il s'agit de faire la moyenne mobile des 30 dernières semaines hein, en clôture. Et comme vous pouvez le voir, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui elle-même est en train de monter. Au regard de cet indicateur, ça veut dire que la tendance est toujours établie à la hausse. Et c'est confirmé par l'autre méthode que l'on utilise très souvent pour détecter la tendance en cours, à savoir euh, l'observation des pics et des creux. Et lorsque les pics sont ascendants, et qu'en même temps, les creux sont ascendants. C'est une confirmation du fait que la moelle mobile, euh, que la tendance est haussière et c'est le cas ici sur Nicox euh, C'est confirmé par la troisième, le, le, le troisième système que l'on utilise généralement pour euh, établir la tendance, le système Ishimoku. Le plus important, c'est de comprendre que vous avez ici le nuage, la zone qui est un petit peu grisée. Quand on est au-dessus du nuage, avec la lagging span ici qui est au-dessus des prix. Eh bien, ça signifie que là aussi, on est en tendance haussière, donc carton plein au niveau de la tendance. Maintenant, ça nous donne également les, les supports et les résistances de référence. Hein. Comme vous pouvez le voir, vous avez deux courbes supplémentaires. Là, je fais un petit peu long, mais je ne serai pas aussi détaillé pour les, les autres actions, puisqu'on vous aurez compris le système. Ça, c'est la Tenkan en bleu et la Kijun, elle est en rose. Vous voyez, comme on a tendance à préserver ces niveaux, on rebondit dessus. Euh, la Tenkan a été euh, testée il y a trois semaines. La semaine dernière, c'est la Tenkan et la Kijun qui ont été testées. Mais à chaque fois, on a rebondi. Et cette semaine, on s'est même permis le luxe de directement commencer au-dessus. Donc, il semble bien que le support, les supports, tiennent. Graphiquement, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ici une résistance qui est aux alentours de 13 euros. C'était le plus haut d'il y, y a quatre semaines, le plus haut sur lequel on a buté. Et euh, vous avez en soutien un support oblique ici qui a été sollicité à plusieurs reprises et qui a bien tenu, y compris lors de l'attaque féroce de la semaine dernière, euh, lors du Brexit. Donc, euh, clairement, cela signifie que tant que ce support oblique n'est pas cassé à la baisse, il n'y a aucune raison de ne pas envisager d'aller chercher les 13 euros. On peut envisager que si on clôture au-dessus des 13 euros, d'ailleurs une nouvelle impulsion haussière euh, soit d'actualité, à condition encore une fois que ce soit compatible avec les fondamentaux de la valeur. Les indicateurs techniques confirment cette bonne santé. Le MACD pour commencer, c'est la ligne qui est noire ici. Eh bien, elle est au-dessus de la ligne rouge. Euh, clairement le MACD est au-dessus de son signal. On a eu le signal haussier ici lorsqu'il est passé euh, et qu'il a croisé à la hausse. Vous voyez la belle hausse qu'on a eu derrière. Tant qu'on est au-dessus, il n'y a pas d'alerte. Et le stochastique est au-dessus de 80, c'est-à-dire qu'il est dans la zone de surachat. C'est la zone qui est favorable au haussier, qui montre que ce sont les haussiers qui sont aux commandes. Regardez une fois qu'on est passé en zone de surachat, c'était ici. Et vous voyez, on a eu une belle série de hausses derrière. Et le momentum est également au-dessus de zéro, en territoire positif. Donc, vous l'aurez compris, carton plein pour Nicox. Il faut simplement espérer que les marchés, en général, tiendront. Mais je le répète, hein, la tendance est haussière. Et tant qu'on ne passe pas en dessous de ce support oblique, on peut sereinement envisager d'aller chercher les 13 euros et pourquoi pas clôturer au-dessus. On passe tout de suite à l'action suivante. On enchaîne euh, cette euh, série d'analyses techniques avec euh, Genfit qui m'a également été euh, de très nombreuses fois demandé. Alors, on n'est pas du tout dans la même configuration que sur Nicox, puisque vous voyez la moyenne mobile à 30 semaines, là, elle est descendante sur toujours cette moyenne mobile à 30 semaines. Vous voyez, quand on passe en dessous... Comme c'est le cas ici, et que son inclinaison devient négative, eh bien, on est en situation de danger. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on se retrouve dans une situation assez périlleuse. C'est confirmé par l'autre système qui nous montre que les pics sont descendants et que les creux sont descendants. C'est une façon assez simple de savoir, effectivement, quelle est la tendance en cours sur une action. Donc, à ce, à ce niveau, euh, il est clair que la tendance est toujours baissière pour l'instant et l'utilisation de l'Ishimoku confirme, hein. vous voyez contrairement à tout à l'heure on est en dessous du nuage et la lagging span est en dessous des prix donc ça veut dire que la tendance est baissière et nous avons au dessus de nous des résistances à savoir la Tenkan en bleu et la Kijun ici et vous voyez comme ces deux courbes se combinent pour bloquer l'avancée des cours hein, depuis euh, cinq semaines alors graphiquement voilà ce que cela donne et c'est plutôt intéressant puisque il y a quand même deux éléments intéressants pour les haussiers euh, on va commencer par ce qui fâche. On a une résistance oblique hein, qui s'est révélée intraitable lors des précédentes percussions. Mais on a également un support fort. Ce support fort a résisté au début 2016, mais également il a résisté à l'attaque féroce hein, du, euh, de la séance du, du Brexit la semaine dernière. Et ce support tient bien puisqu'il a encore été enfoncé et préservé euh, cette semaine. Et on remarque également des, au niveau des indicateurs des éléments encourageants. Tout d'abord le stochastique qui était en dessous de 20, la zone favorable au baissier qui vient de sortir de la zone. C'est assez intéressant puisque la dernière fois que ça s'est produit, c'était là, vous voyez. Et derrière, on a eu quand même une période d'accalmie et nous avons également un autre élément intéressant, c'est des divergences haussières. Vous voyez, lorsque les cours font des plus bas comme c'est le cas entre cette zone et cette zone, mais que les indicateurs techniques tels que le MACD ne fait pas de plus bas ou que le momentum ne fait pas le plus bas, ou à cet égard également le stochastique hein, ne fait pas de plus bas, eh bien c'est un signe qu'un rebond technique peut s'établir. Alors on peut se prendre à rêver et envisager qu'il perdure et qu'il aille chercher, euh, qu'il permette d'aller chercher le, la résistance oubliquée ici des 28, et si on arrivait à le casser, alors là effectivement ce serait vraiment de très bon augure. Pour la suite, on passe à la troisième action du jour. Alors on va, on va terminer euh, cette salve d'analyse avec Céliade. Alors attention, là j'ai basculé en unité jour, euh, tout simplement parce qu'on m'a demandé de faire une analyse de très court terme. Et donc chaque bougie que vous voyez euh, correspond à une seule journée de cotation avec les plus bas, et les plus hauts, etc. Donc vous voyez effectivement la, la marque, euh, les, les séquelles terribles hein, de, des, des deux derniers jours avec un gap colossal. Euh, ouvert, on est passé de près de 40 à 20 euros à peu près, un peu, un, un peu plus. Et euh, il est vrai qu'on peut se demander ce qu'il en est à très court terme. Alors euh, évidemment, euh, on va passer sur euh, les éléments les plus évidents, à savoir que la tendance est baissière. Bon, je l'ai pas fait figurer, mais évidemment, on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, on est en dessous du nuage Ichimoku, on est en dessous. Euh, on fait des pics et des creux qui sont descendants, ça c'est un fait. Maintenant, euh, on est également ici en, en train de, de, de concentrer notre attention sur le gap. Le gap, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de cette bougie et les plus hauts de cette bougie. C'est une zone qui est très importante à surveiller parce que ça, normalement, c'est très difficile de, de, à réintégrer. Okay Donc si on arrivait à s'enfoncer dans le gap et à parcourir de la distance à l'intérieur, ce serait un signal de force important parce qu'il est difficile justement de pénétrer une zone de gap. Et euh, au-delà, vous voyez qu'on on est en train de construire une zone de support ici avec cette oblique descendante bleue qui en fait, conjuguée à la partie haute ici, euh, constitue un biseau descendant. Alors la bonne nouvelle, c'est que normalement, euh, les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut qu'ils ne se cassent par le bas. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais maintenant, et pour Céliade plus que pour n'importe quelle action actuellement, étant donné qu'il y a des... Euh, des nouvelles qui justifient la prise de bénéfice sur cette valeur. Et eh bien il est clair que ce sont bien les fondamentaux qui doivent euh, l'emporter. Au niveau des indicateurs techniques, c'est pareil, ce n'est pas bon puisque le MACD est en dessous de son signal, le stochastique est en dessous de 20 et le momentum est négatif. Alors clairement, quand peut-on commencer à espérer Alors déjà si vous avez le stochastique qui passe au-dessus de 20, ça serait bien. La fois que c'est produit, c'était là. Vous voyez, derrière, on a eu une accalmie qui nous a amené de 40 à quasiment 48 euros. Si on avait le momentum qui basculait en territoire positif, ce serait également un phénomène encourageant. Et bien sûr, si le MACD croisait son signal à hausse également, ça serait encourageant. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on se raccroche aux branches avec un contact et un non enfoncement du, du bas du biseau descendant. Il faut voir si effectivement, hein, dans les séances qui suivent, on arrive à rebondir. Euh, sur ces niveaux alors si vraiment on veut chercher des éléments d'autres éléments favorables regardez là ce que vous voyez en haut s'appelle la bollinger supérieure et ce que vous voyez en bas c'est la bollinger inférieure il faut savoir que normalement euh, il est exceptionnel hein, d'avoir des bougies qui, ne... qui sont en dessous de la bollinger inférieure mais qui néanmoins ne la touche pas généralement quand on est en dessous de la bollinger inférieure eh bien on la touche quand même et là c'est pas le cas et généralement je dis bien généralement techniquement c'est annonciateur d'un rebond très très rapide, d'un rebond violent. Mais maintenant et pour la troisième fois il y a des justifications fondamentales à ce qui se passe actuellement donc on ne peut pas faire comme si l'analyse technique était la seule chose qui importait. Donc voilà j'ai essayé, essayé d'être objectif, tendance baissière évidente mais il y a des éléments techniques favorables et il est impératif de savoir à combien vous estimez la valeur. Si vous pensez que effectivement, Celiad vaut plus, beaucoup plus que 21 euros, vous pouvez envisager d'acheter tant que ce support tient. Maintenant, si vous pensez que Celiad ne, ne vaut pas ce montant, eh bien, soit vous vendez tout de suite, hein, soit vous attendez que l'on casse cette zone de, de, de support descendant, là, en vous disant que là, euh, c'est euh, la fin. Voilà. Euh, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et je vous invite encore une fois à vous inscrire au grand webinaire gratuit de ce soir où je vous apprendrez à utiliser les, euh, les points pivots. C'est euh, sur le site, vous cliquez sur euh, lien d'inscription et vous arrivez directement sur la page. C'est ce soir, c'est à 21h et c'est jusqu'à 22h. Voilà, à très bientôt pour euh, d'autres analyses techniques.